Un samedi matin, Serge ouvre les portes du parc. Encore un dépôt sauvage. Ce genre d'incivilité, c'est nul et c'est punissable. Et vite avant que les premiers n'arrivent. Attention Serge, tant de gens pressés dès l'ouverture. Pourtant, le parc est ouvert toute la journée. Le grand nettoyage de printemps amène beaucoup d'usagers au parc. La journée va être longue. Oh. Allez Serge, on se motive. Serge accueille et informe tout le monde. Alors, pour les verres, c'est ici, là, le papier là-bas. Non, les encombrants, c'est à gauche. Non, le carton, ici, monsieur. Même l'air à l'heure. Dis donc, ici, on trie aussi son langage. Paul, quant à lui, pensait en avoir pour 5 minutes. Faire la file au parc, chouette samedi matin, tiens. De l'autre côté de la file, Serge doit gérer un coffre plein de déchets non triés. Il indique à l'usager comment trier correctement. Un bon tri permet un bon recyclage, et quand c'est fait à la maison, c'est un gain de temps pour tout le monde. Mais non, madame, une télé, ce n'est pas un encombrant. Ah, je vous assure, le football, c'est très encombrant. Et le temps semble long à Paul, qui n'est pas du matin. Oh là là, une remorque non bâchée. Quelle mauvaise idée. Quel gâchis pour l'environnement et la propreté du parc. Heureusement, Serge tend un balai à l'usager. La propreté, c'est l'affaire de tous. C'est enfin le tour de Paul. Paul, réveille-toi, c'est ton tour. Paul émerge tant bien que mal. C'est malin ça. Regarde dans quel état tu as mis Serge. Serge est un brin contrarié. La matinée est difficile, mais il continue son travail. Et... waouh ! Surprise ! Avec des déchets si bien triés, comment pourrait-il lui en vouloir ? On a tous ces petits tracas. Restons courtois. Avec le sourire, c'est tellement plus agréable. Pour lui, pour toi, pour moi. C'est bien vrai.